Amen. On va chanter encore un ou deux cantiques et on va entrer dans la parole. Yeah.
C'était le cantique qu'il aimait beaucoup chanter. Je vous traduis aussi ses salutations. On s'était mis au téléphone, il salue l'assemblée. On chantait un dernier cantique, le 51. Et on rentre dans l'ouverture de la parole. Chacun va recommander son cantique, mais les gars, en chantant ses cantiques. Yeah.
Qui sont comme la chambre haute. Amen. En prenant nos Bibles directement dans le livre de Ésaïe 55, le verset 6 à 7. Ésaïe 55, le verset 6 à 7. On lit la parole du Seigneur. Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Et qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Ecclésiaste 3, le verset 1 à 4. C'est la parole du Seigneur. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Et un temps pour mourir. Un temps pour planter. Et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer. Et un temps pour guérir. Un temps pour abattre. Et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer. Et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Amen. Dernière écriture, Agi 1, le verset 2 à 7. Agi 1, verset 2 à 7, j'ai lu ce qui suit. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup. Et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous n'êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Que Yahweh bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir bien, mes frères et sœurs. Parlerai un peu aujourd'hui, selon que le Seigneur nous conduira. Nous voulons voir un thème important, quelque chose qui est essentiel dans la vie d'un croyant. Et le thème de ce matin, c'est la dernière citation de l'Écriture. Il dit, considérez attentivement vos voies. Non pas considérer nos voies à la hâte, de manière rapide. De manière désinvolte. On réfléchit, puis en deux minutes, c'est fini, la conclusion. Non. Ce n'est pas l'invitation d'un être humain ici. Cet appel n'est pas lancé par un prophète ordinaire, non. Cet appel n'est même pas lancé par Branham. C'est Dieu qui parle par le prophète Agé. Il fait un constat.
Il fait un constat. Ils avaient prié longtemps. Lorsqu'ils ont vu que le temple avait été détruit, ils ont commencé à pleurer. Il dit, Seigneur, mais le temple de Jérusalem est détruit. Ils ont détruit le temple de Jérusalem. Ils ont pleuré. Ils se sont lamentés. Et Dieu a entendu leurs prières. Ils avaient jeûné pour ce temple-là. Ils avaient crié pour ce temple-là. Ils avaient jeûné pour ce temple. Et Yahweh, dans sa grâce, a accordé une heure où il fallait maintenant rebâtir le temple. Et quand l'heure de rebâtir le temple est arrivée, ils disent que le temps n'est pas encore venu de rebâtir le temple de Yahweh. J'ai relu la citation. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, c'est Dieu qui parle à Agé. Il fait d'abord le constat. Ce peuple, eux ils disent, Israël, eux ils disent, le temps n'est pas venu. Quel est le temps qui n'est pas venu? Ils disent, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est eux qui disent ça. Ok. C'est pourquoi, Dieu me l'a dit à Agé, va leur dire ce qui suit. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Maintenant, Dieu leur dit par Agé, est-ce le temps pour vous d'habiter dans vos demeures lambrisées? Donc, et puis il dit maintenant, il dit, quand cette maison est détruite, ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Donc, vous avez voulu un jour construire le temple. Le temps arrivé maintenant, c'est là maintenant que vous avez des sommeils sans précédent. C'est-à-dire qu'ils ont des sommeils, mais que Dieu n'a, il est surpris. Mais attends, mais il jeûnait pour ça. Il priait pour ça. Maintenant, la chose est arrivée. Ils sont au pôle nord, alors qu'on est au pôle sud. Donc, Dieu ne comprenait pas la réaction de ce peuple. Il était un peu subjugué. Donc, il a dit, considérez bien vos voies. Considérez, parce que chaque chose a son temps. Lorsqu'on est dans le temps de la guerre, on dort en pensant à la guerre. Lorsque dans le temps de la paix, on fait tout dans l'esprit de la paix. Lorsque dans le temps de danser, on fait tout dans l'esprit de danser. Mais quand le temps de quelque chose arrive et qu'on n'est pas dans le temps de cette chose, alors les résultats ne sont pas de bons résultats. C'est ce que Dieu est en train de dire ici. Quels sont les résultats? Maintenant, suivez ce qu'il va leur dire. Il a dit, bon, comme le temps de rebâtir, le temps peut arriver, que vous ne voulez pas. Je vais vous rappeler quelque chose qui ne se passe pas dans votre vie. Et cela ne se passe pas seulement dans le plan spirituel, même dans le plan charnel, dans leur travail, dans leur relation avec les gens, dans tout ce qu'ils font, il y a quelque chose qui ne décolle pas. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qui ne... Pourquoi? Mais parce qu'ils n'agissaient pas en rapport avec l'esprit de leur temps. Maintenant, Dieu va leur dire la raison pour laquelle il y a quelque chose qui ne va pas. Ils pouvaient réussir, mais quand ils réussissent, il y a toujours un mais. Oui, j'ai fait ça, ça a été bien, mais il y a toujours, il y a quelque chose qui ne rentre pas en ordre. Maintenant, Dieu va le dire. Hein. Il a dit ce qui suit. Il a dit, vous semez beaucoup. Si c'est semer, vous semez beaucoup. Beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration, beaucoup de jeûne, peut-être, je ne sais pas quoi. Beaucoup de prières, ça, ce n'est pas trop un problème. Maintenant, voici ce que Dieu l'a dit. Mais vous recueillez peu. Donc, on fait beaucoup d'efforts, jeûne, prière, venez, tout ça, c'est beaucoup, c'est bon. Mais le résultat, il est insatisfaisant. C'est peu. C'est-à-dire que, on se dit, bon, c'est acceptable. Mais ce ne sont pas les résultats escomptés. C'est le constat que Dieu fait. Pourquoi? Mais parce qu'il n'agissait pas avec l'onction et l'esprit de l'âge. Il y a un esprit dans lequel on agit quand un âge est donné. Oui? Il y a un temps. Quand le temps arrive, il y a une manière de se comporter dans ce temps-là. Si tu n'as pas l'esprit de ce temps-là, tu es en décalage avec la réalité. Tu ressembles à un homme qui s'habille avec les vêtements d'hiver alors que non, on est au printemps. On en était, mais toi, tu t'habilles comme si tu es en hiver. C'est-à-dire que tu es coupé de la réalité. Tu es un autre monde. On n'est pas le nord, toi, tu n'es pas le sud. Et ça, Jésus-Christ, il a réprimandé les pharisiens. Il dit, mais vous savez, c'est le temps, mais... Vous n'avez pas discerné le temps dans lequel vous êtes, on dirait. Il y a un problème. Il va leur dire ce qui suit. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié. Donc, tu peux manger beaucoup, mais le résultat n'est pas ça. C'est Dieu qui parle. Hein?
Ça, c'est un bilan. Il dit, vous buvez, mais vous n'êtes pas désintéressé. Vous allez boire, on boit, mais ça ne va pas. Il y a un reste. Il dit, vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage. Tu as travaillé, lutté, cherché métro. Tu as fait tout ce que tu as fait, mais au final, il dit ici que l'argent, là, ça tombe dans un sac percé. Pourquoi ils avaient ça? Mais parce qu'ils agissaient en dehors de l'onction de l'âge. Maintenant, Dieu leur lance une invitation. Il dit, je vous invite à considérer attentivement vos voies. Est-ce que c'est notre cas? Est-ce que nous sommes concernés par cette histoire? Est-ce que nous agissons en rapport avec l'onction de notre temps? Est-ce que nous avons conscience de ce que nous devons faire dans le temps dans lequel nous sommes? Est-ce que c'est ça en fait? Je donne ira doucement. On va lui frère Panam. Dans la prédication exposée des âges de l'Église, l'âge de l'Église de Pergame, frère Panam dit ce qui suit. Si un homme veut savoir où il en est, qu'il fasse ce que Jacques suggère. Donc si nous on veut savoir, si on n'est pas en train de commettre la même erreur que ses frères d'hier, la même erreur que en faisant beaucoup de fois dans beaucoup de domaines, mais les résultats ne sont pas ce qu'on veut. On donne beaucoup, mais on a peu. Si on veut vérifier ça, Jacques dit, Frère Madame dit, on doit faire ce que Jacques suggère. Qu'est-ce que Jacques suggère? On va le lire. Frère Madame dit, ce que Jacques suggère. Qu'il regarde dans le miroir de la parole de Dieu. Donc, si on veut savoir si on n'est pas concerné par cette histoire, qu'on n'est pas dans l'esprit de l'histoire, alors on doit regarder dans la parole de Dieu. Il faut qu'on interroge la parole que le miroir pour savoir d'abord dans quel temps nous sommes. Parce qu'eux étaient au temps de rebâtir le temps. Nous, on est dans quel temps? Première question. Deuxième question. Dans notre temps, dans quel esprit on doit adorer? Dans quel esprit on doit vivre? Comment on doit agir? Et en tout temps, on va maintenant examiner pour voir si on en a commis, si on en décalage avec les réalités de notre temps. Ça sera tout pour aujourd'hui. Amen. Deuxième citation. Questions et réponses sur le sceau. Du 24-3-1963, le paragraphe 214, madame dit ce qui suit. Comme je vous le disais tout à l'heure, écoutez ce que je dis, ce que je vous dis. Écoutez attentivement, inspectez-vous, examinez-vous par la parole pour voir où vous en êtes. Donc, chacun de nous doit faire un examen personnel pour savoir en réalité s'il est en accord avec l'esprit de l'âge. Maintenant, quel est l'esprit de l'âge? Dans quel esprit nous sommes? Sous quel esprit nous adorons? Comme on va le dire maintenant dans la prédication, le temps de l'union est son signe. Du 18, 8e mois 1963, du paragraphe 65. On veut comprendre mieux nos vies et les résultats qui sont dans nos vies. C'est à rien de vivre et puis on se concentre beaucoup, mais c'est mitigé, mais ça n'a pas de sens. Oh, la Bible dit que les bénédictions de Yahweh sont suivies d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. Quand Dieu fait une œuvre, il l'a fait achever. Depuis le début à la fin, c'est parfait. Il n'y a rien à dire. Amen. Abraham dit ceci dans la prédication, paragraphe 65. Maintenant, nous voyons où nous vivons. Au temps de l'union. Donc nous vivons au temps de l'union. Amen. Dans notre âge, là, si tu veux parler à quelqu'un, tu dois parler à la personne en tenant compte de l'esprit de l'union. Si tu veux faire des affaires à quelqu'un, tu dois faire les affaires à la personne en tenant compte de l'esprit de l'union. Si tu veux aller au marché, tu dois aller au marché en tenant compte de l'esprit de l'union. Parce que dans l'âge où on plante les tomates, il faut faire attention, on ne peut pas planter tout dans l'âge des tomates. Dans l'âge des cacao, on ne peut pas planter tout. Si tu plantes cacao, même si tu le lances comme ça, quand il va tomber, il va pousser. Pourquoi? Parce que c'est le temps des cacao. Donc, l'esprit et l'action en accord avec le temps des cacao. Mais si tu plantes autre chose, même si tu t'as appliqué, le résultat sera un résultat mitigé et médiocre. Donc, il est important de savoir
dans quel temps nous sommes et la manière d'agir dans ce temps. Frère Branham dit, nous sommes au temps de l'union. Donc, quand je viens à l'église, je dois savoir que j'adore sous l'esprit de l'union. Quand je traite avec un frère, avec une soeur, avec des païens, avec des collègues au travail, je dois savoir que nous sommes dans le temps de l'union. Je continue le prophète ce qu'il dit. Il dit, quand nous voyons ces choses qui s'unissent, oh, comment se fait-il que nous ne voyons pas ces choses? Il dit, maintenant, nous le voyons s'accomplir. Nous voyons dans l'Église ce qu'il a promis de faire. Nous le voyons s'accomplir. Nous voyons les nations s'unir ensemble. Nous voyons les ismes s'unir ensemble. Nous voyons les églises s'unir ensemble. C'est le temps de l'union. C'est l'heure de l'union. C'est ça l'esprit de l'âge. Il faut que nous nous unissions. Ça, c'est Frère Branham qui parle. Frère Branham dit que non, eux, c'était brébati. Mais nous sommes sur l'onction de l'union. L'onction de l'union, ça implique un caractère. On va le voir tout à l'heure. Donc, dans l'onction de l'union, il faut qu'on sache, mais comment dans l'onction de l'union, comment il faut faire? Parce que c'est rien de faire beaucoup d'efforts et puis c'est en vain. C'est inutile. Amen. Deuxième citation. On ira doucement aujourd'hui. Le paragraphe, la même prédication de Frère Branham, du 18-8-63, le paragraphe 124, Frère Branham dit ce qui suit. C'est le temps de l'union. Et les signes fusent de toutes parts. Les signes sont présents dans les nations. Les signes sont présents dans le communisme. Les signes sont présents dans le monde occidental. Les signes sont présents dans les cantons. L'union est partout. On parle des Nations Unies. On parle de l'Union européenne. On parle de l'association des animaux. On parle de la... C'est-à-dire que partout, c'est l'union. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de l'union. C'est-à-dire que même si tu ne veux pas, la vérité est sous tes yeux. Quand tu allumes la télévision, mais quand tu regardes ton portable, tout est union. Union des sociétés. Les gens se mettent en union. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de l'âge. Donc si toi tu agis avec l'esprit qui n'est pas l'esprit de cet âge, alors les résultats seront mitigés. Donc d'abord, nous savons que nous sommes dans l'âge et dans l'esprit de l'union. Amen. On continue, Frère Branham. Frère Branham continue dans la citation, il dit ce qui suit. Il dit, et le signe ici, ce soir, présent dans la fonction du Saint-Esprit et la parole de Dieu le confirme et en établit. Frère Branham dit, même dans cette salle où je suis, Frère Branham, le signe de l'union est là. Quoi, le signe, c'est ça? Ça, c'est le signe de l'union. On va le lire. Donc, quand les gens sont dans les églises, on a vu la colonne de feu. Frère Branham est venu. C'est un peu photographié. Oui, c'est bien. Mais est-ce que tu comprends ce que ça signifie? Ça veut dire que tu adores sur le signe de l'unité. Et si tes actions ne sont pas en accord avec le signe de l'unité, tu n'auras pas les vrais résultats. Jamais les bons résultats. Donc, il faut savoir ce que c'est et il faut savoir ce que ça implique. Amen. Le paragraphe 37, frère, dans la discussion continue. Ces signes donnés par le Seigneur sont donnés uniquement aux croyants. Dans ça, tout ce qu'on voit, c'est pour les croyants. Ce n'est pas pour tout le monde. Pourquoi c'est pour les croyants? Parce que les croyants doivent s'en servir. Ça s'adresse aux croyants parce qu'il y a une suite. Ce n'est pas une simple formation, il y a une suite derrière ça. Amen. On va avancer un peu. Le paragraphe 97. Frère Branham dit, nous voyons les nations s'unir. Nous voyons le monde s'unir. Nous voyons le communisme s'unir. Nous voyons les églises s'unir. Et nous voyons Dieu s'unir lui-même. Ah, donc, même Dieu lui-même, lui aussi s'unit. Donc, tout le monde est dans l'union. Dieu lui-même, lui aussi s'unit. Mais il s'unit à son épouse. Donc, tout le monde s'unit. Donc, ça veut dire que chacun de nous est interpellé par l'union. Oui, nous sommes engagés dans une union. Je continue le prophète, il dit ce qui suit. Alléluia. Il dit, comme la pyramide là, il dit c'est vrai. Ils s'unissent ensemble. Dieu s'unit. Pourquoi? Ma femme dit ce qui suit. Il dit jamais, depuis le premier âge de l'Église, la colonne de feu n'avait été parmi les gens. Jamais. Depuis le premier âge de l'Église, ils n'avaient vu les choses que nous voyons aujourd'hui.
Et ceci n'a été rendu possible que lorsque Dieu a envoyé les sept sceaux et nous a donné un signe par cela. Il a envoyé du ciel sept anges. Voici notre signe céleste qu'elle a. C'est ça, c'est ce signe céleste qui nous montre que non, nous sommes dans le temps de l'union. Amen. Il y a bien des signes encore, mais on va dire encore un autre signe qui prouve que nous sommes dans le temps de l'union. Il y a ça, mais il y a un signe qui avait précédé ça. Il y a un signe qui avait précédé ces signes-là. Dans la prédication, comment l'ange est venu à moi et sa commission du 17 janvier 1955, Frère Benham parle de son expérience. En 1989, c'est Frère Benham parlait avec les croyants médiums. Il dit ici, 87, il dit, elle a dit, Jésus-Christ a dit, au cours de son ministère, que quand cet évangile aurait été prêché au monde entier, au peuple de Cam, de Sem et de Japhet, qu'alors il reviendra. Et elle a dit, Frère Benham fait un commentaire, or, ces planètes célestes, comme elles se déplacent, elle a dit, elles se sont séparées. Donc, quand Christ avait fini, quand Christ était né, les trois planètes se sont croisées, les trois étoiles se sont croisées. Quand c'est croisé là, ça avait placé le temps sous le signe de l'union. Maintenant, frère, madame, ici, la femme entend le dire, parce qu'il y a un événement qui s'est passé. Elle a dit, elles se sont séparées. Depuis, elles n'ont jamais été comme ça sur la terre, à ce qu'on sache. Mais elle a dit, tout le temps des centaines d'années, elles passent sur l'orbite les unes des autres, comme ceci. Si jamais il y a un astronaute ici, vous saurez pourquoi, vous saurez peut-être de quoi elle parlait. Moi, je ne sais pas. Donc, quand elle se croise comme ça, et elle a dit, en commémoration du plus grand don qui ait jamais été fait à l'humanité, quand Dieu a donné son Fils, quand ces planètes se croisent de nouveau, eh bien, elle a dit, il envoie un autre don à la terre. Elle a dit, vous êtes nés au moment où elles se sont croisées. Et elle a dit, voilà la raison pour laquelle je savais. Savais quoi? La date de naissance du frère Branham. Donc, cette date de naissance-là, elle montre que lui, c'était un don. Et nous savons que Dieu veut utiliser son corps pour faire des grandes choses. Donc, les signes célestes nous montrent qu'en réalité, nous sommes dans le temps de l'union. Amen. Maintenant, on va savoir ce que cela implique. Parce qu'il faut qu'on s'examine. Amen. Mais ici, l'union dont on parle, c'est bien de préciser, hein, c'est une union invisible. C'est invisible. Ce n'est pas d'abord visible. Le visible, c'est au final. Actuellement, Dieu s'unit invisiblement à son Église. Amen. C'est bien de le préciser. Maintenant, dans le temps de l'union, toujours le paragraphe 111, Frère Branham dit ce qui suit. Frère Branham dit que cette union implique deux choses. Parce que c'est selon ça qu'on va s'examiner. Hein. Il dit, d'abord, je le dis, il dit, le paragraphe 111, le temps de l'union est son signe. Mais l'Église a reçu un signe céleste. Frère Branham dit, un astronaute. Amen. Jésus-Christ sous la forme d'une colonne de feu. Est-ce qu'il est là? Comme il était dans l'Ancien Testament, comme il était quand il a rencontré Saül là-bas sur le chemin de Damas. Le même Jésus ici aujourd'hui. Frère Branham dit, et qu'est-ce que cela produit? Oui, on est sur le temps de l'union. En le temps de l'union, on a reçu ce signe, mais cela produit quoi? Cela nous amène quoi? Cela nous enseigne quoi? Frère Branham répond. Il dit, est-ce que cela amène la peur? Frère Branham dit, cela amène un amour. Un amour, parce qu'il n'y a pas d'unité sans amour. Donc quand vous voyez les signes, quand on dit que vous êtes au temps du signe, au temps de l'union, cela veut dire que non, nous recevons l'amour. Donc si je suis un croyant, si l'amour n'est pas dans tout ce que je fais, alors il y a un problème. Frère Branham continue. Cela amène un amour. Frère Branham dit encore, deuxième chose, une union les uns avec les autres. Donc l'amour, c'est l'amour fraternel. Donc dans ce temps, si tu dois réussir quelque chose dans ta vie, il faut que tu aies en toi l'amour fraternel. C'est sous cette onction qu'on doit tout faire aujourd'hui.
Si l'amour fraternel n'est pas dans ton cœur, alors tu es en décalage avec l'onction de l'âge. Tu as fait beaucoup de choses. Si tu méprises l'amour, les résultats ne sont pas des résultats escomptés. Amen. Frère Branham continue ce qui suit. Cela amène un amour, une union les uns avec les autres. Frère Branham dit amen. Il dit encore, de la sympathie les uns pour les autres. La sympathie. Ça veut dire que des gens sympas. Donc, on doit voir dans les gens qui vivent sous l'union la sympathie. Donc, qu'un croyant vit et qu'il part de la colonne de feu et qu'il est en conflit, comme on avait dit tout à l'heure, que les églises se battent, ça veut dire qu'ils ont reçu le signe, mais ils ne vivent pas en accord avec le signe. Nous, c'est-à-dire qu'on dit non, 28 février, comme frère Valentin, oui, tout ça, c'est bon, mais ça a apporté quoi? Ça a apporté quoi? Ça apportait l'amour, ça apportait l'unité, ça apportait la sympathie. Même pour ton ennemi, ça apportait la sympathie. C'est ça l'esprit de l'âge. C'est ça que Frère Branham a apporté. On va voir ça, Frère Branham. Frère Branham a apporté tout à l'heure. Il dit, moi, Branham, c'est sur ça qu'il a bâti mon église. Hein. Il va parler ça tout à l'heure. Lui-même, quand la fille a montré ça pour l'église, il va montrer que lui-même l'a appliqué sur Branham Tabena. Donc, il n'essaye pas de dire que non, j'ai reçu un prophète, que nous sommes un tablette. Non! Est-ce qu'on a saisi le message du prophète? Et est-ce qu'on adore correctement sous l'onction et sous ces signes-là? Ce signe apporte l'amour, ce signe apporte la sympathie. Bonhomme, quand tu ne s'arrêtes pas là, il dit, cela amène l'amour de Dieu. L'amour de Dieu dans le cœur. Vous devez savoir que Dieu est beaucoup attaché à l'amour. Le premier commandement, c'est que tu aimeras quoi? L'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Le premier commandement. Donc, l'amour, Dieu est beaucoup attaché à l'amour. Amen. Frère Branham, on continue. Oh, cela nous unit et nous amène le corps de Christ à l'unité en tant qu'épouse. C'est ce qui produit maintenant cette grande union que Dieu. Donc, non seulement il y a l'amour, mais dans l'art de l'amour, en réalité, Dieu doit s'unir à son Église. Amen. La grande question, et c'est à ça qu'il faut qu'on réponde, est-ce que nous sommes contenus par ça? Quels sont les critères pour que Dieu puisse s'unir à nous? C'est bien de savoir que c'est l'amour, mais quels sont les critères? Est-ce qu'on remplit les critères? Parce qu'il y a les critères. Il y a des critères, il faut qu'on voit les critères. Amen. Amen. On progresse. On va voir ce que Dieu s'envoie. Au paragraphe 113, Frère Branham, ce qui suit dans la même prédication toujours. Le temps de l'union et son signe, du 18-8-63. 113, Frère Branham dit. Mais l'Église épouse unie par un seul Dieu. On prend un peu la partie directe, c'est un peu long. Vers le milieu, il dit ce qui suit. Maintenant, écoutez encore ce qu'il ajoute. Pour ce temps de l'union de l'épouse, l'Église s'unit si étroitement. Maintenant, Frère Branham dit. Cela devrait créer entre nous, tellement d'amour. Donc, quand un frère du message brandit la colonne de feu, là, ou même faire le commentaire de la colonne de feu, là, on doit lui demander, frère, ça, là, ça a apporté quoi? Oui, tu me dis, oui, moi, je suis d'accord, moi, je crois. Raconte-moi tous les mystères, pas de problème, mais avant qu'on les rende les mystères pour échanger, c'est pas un problème. Dis-moi ça, ça a apporté quoi? Hein? Et puis, est-ce que ce que ça a apporté, là, c'est dans ton cœur? Parce qu'il dit ici, hein, examinez attentivement vos voix. Pourquoi? Mais parce que si je vis en décalage avec l'onction de l'heure, je vais faire beaucoup de choses, mais je n'aurai pas les vrais résultats. À forte raison, même dit que j'ai le Saint-Esprit. Là, c'est un problème. Parce que Branham dit, je l'ai lu tout à l'heure, Branham dit que le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu. On va lire la citation. Frère Branham dit, le Saint-Esprit est l'amour de Dieu. Donc, ça veut dire que l'amour a verrouillé le message. Amen. Tu vas à gauche, il y a amour. Au nord, il y a amour. Au sud, il y a amour. Même dans ton rêve, il y a amour. Tout est verrouillé par l'amour. Tout est verrouillé par l'amour. Car la promesse est pour vos enfants. Et en aussi grand que Dieu en appellera. Oui, Frère Branham dit, cette promesse-là, c'est l'amour. On va le lire tout à l'heure. Je continue. Frère Branham dit, cela devrait créer entre nous tellement d'amour
au point qu'il nous soit difficile d'être éloignés les uns des autres. Donc, l'amour est tellement puissant, comme l'électricité, qu'on a du mal à être éloigné. Donc, quand on est éloigné, que les sentiments d'éloignement demeurent dans une communauté, ça veut dire que l'amour n'est pas encore puissant. Ça veut dire qu'on n'a pas encore relevé le défi de l'union. Ça veut dire qu'on a reçu un prophète, on a reçu les signes, on connaît les signes, mais on n'est pas encore entré dans la chose. Donc, les résultats qu'on aura ne sont pas toujours de bons résultats. Ce ne sera pas les résultats qu'on devrait avoir. Amen. On continue le prophète. Il dit ce qui suit. Il dit, c'est vrai. Il dit, on a besoin. Maintenant, il faut vraiment dire ce qui suit. Il dit, cela devait créer entre nous tellement d'amour au point qu'il nous soit difficile d'être éloignés les uns des autres. C'est vrai. Frère Branham dit, on n'a pas besoin de supplier les gens de prier. Non. Quand tu reçois ça, on n'a pas de même parler, il faut prier. Non. La prière, c'est une initiative personnelle. J'ai mon programme de prière, je dois prier moi-même. Je dois savoir que je dois progresser dans la prière. On ne doit même pas me dire non, sœur, on ne doit pas me dire ça. Ça veut dire que je ne suis même pas mature. Quand on dit un frère, il faut jeûner, ça veut dire que tu n'es pas mature. Si tu as la révélation, ça veut dire que toi, tu n'es pas mature, tu es un enfant. Mais Dieu ne va pas venir par les enfants. Il n'y a pas d'enfants dans la parole de Dieu. Il n'y a même pas de grands bébés. Il dit il y a des fils. Il n'y a pas enfant. Quel enfant dans le message? Tu crois ou tu ne crois pas? Donc, on ne peut pas supplier quelqu'un de prier. Ça n'a pas de sens. Prier pourquoi? Toi, maintenant, on continue. Il dit, on n'a pas besoin de les supplier d'adorer Dieu. Frère, il faut venir à l'église. Non, ça, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire même qu'il n'y a même pas de foi. Non, c'est-à-dire que c'est du vide. C'est du vide. Tu dois te débrouiller toi-même, venir adorer. Ça veut dire que la personne, lui, il a reçu un prophète. Il a eu la révélation de la colonne de feu. Lui, il sait ce que cela ça signifie. Il peut dire, moi, j'adore sous ces signes. Donc, il y a l'espoir. Un tel coin, il y a de l'espoir sur le chemin. En fait, lui, il a vraiment candidaté pour l'enlèvement. Mm-hmm. Sinon, en dehors de ça, le reste là, franchement, ce n'est pas mauvais s'il y a des difficultés au passage, mais on doit faire très attention. Parce que le prophète ne fait que finir le prophète. Recevoir le signe, la colonne de feu, c'est dans toutes les églises du message. Mais ce sont eux qui se battent, hein. Ils se battent, ils se battent. Mais donc, c'est-à-dire qu'on reçoit le message, mais on ne le comprend pas. Je ne comprends pas. Le message, ce ne sont pas des lectures, le message. Le message, c'est une révélation. Pas madame dit, si vous avez une révélation et que cela ne vous maintient pas dans la parole, il dit non, c'est une mauvaise révélation. Donc, la révélation de ça, c'est l'amour. C'est une adoration volontaire. Je sais que non, je dois jeûner la semaine. Le pharisien avait jeûné même deux fois dans la semaine. Le pharisien. Et la Bible dit que votre justice soit au-dessus de ce pharisien-là. Votre justice. Mais quand on jeûne une fois chaque 6 ans, pas exagération. Peut-être on jeûne. Mais bon, mais si on jeûne deux fois aujourd'hui, on fait un repos de 8 mois. On dit, oh, et des jeûnes. Des jeûnes, il faut se demander si on les trouve même dans la Bible. Franchement, un jour, il faut qu'on. Bon, comme la Bible dit qu'on peut jeûner aussi même en mangeant parce que jeûner, c'est un état d'esprit à la rigueur. Mais il faut faire des jeûnes réels. Des jeunes qui font descendre l'onction de Dieu. Oui. Enfin, madame dit, l'ange lui a dit, parce que tu as pris le chemin difficile. Difficile. On doit s'imposer des choses, pas forcément comme Branham. On doit s'inspirer. On peut s'inspirer d'une vie, c'est pas un péché. Enfin, madame continue, dit, on n'a pas besoin de les supplier de faire ce qui est bien. Non, faire ce qui est bien. Pourquoi on te supplie? Non. On ne doit pas te supplier. Quand tu reçois la colonne de feu, on ne doit pas te supplier. Tu dois te débrouiller, même si tu n'es pas content. Débrouille-toi, trouve le jour, mais fais le bien. Oui, ça s'arrête là. C'est l'exigence de ça. Tu veux ou tu ne veux pas, dans tous les cas, va, débrouille-toi, mais au retour, tu devras faire le bien. Point à la ligne. Sans explication. C'est ça que recevoir l'union, c'est ça. Donc, il ne s'agit pas de mettre ça dans les maisons. Frère, voici la première. Nous, on a reçu un prophète. Hein. Ok, mais ça veut dire quoi? Tu as la révélation de ça? Oui, c'est quoi? Non, le 17 février, le saut là, oui, et la suite. Et la suite. Le saut a un sens, mais c'est un commencement. Mais si tu n'as même pas le commencement, comment il n'y a pas de saut, toi? Je peux te faire du mal. Je te fais du mal. D'abord, il faut commencer par l'amour. Parce que quand on va ouvrir le saut et que tu seras peut-être fouillé dans ton cœur, si tu n'as pas de tempérance, tu as blâme de un coup. On ne peut pas débattre avec des gens qui ne sont pas éduqués dans la parole. Ça n'a même pas de sens. On parle des choses dures avec des gens éduqués.
Parce qu'en haut, ils ont la tempérance. Ils ont la patience. Ils ont les vertus de la parole. Oui. Au moins, le coup, tu auras peut-être un coup de poing, mais la chose va se terminer en bagarre. Amen. Frère, on continue. On n'a pas besoin de les supplier de faire ce qui est bien. Ils sont tellement amoureux de lui que rien d'autre ne compte. Maintenant, ce que Frère Branham a dit là, lui-même Branham, il dit que c'est comme ça qu'il a bâti le grand tabernacle. Lui-même Branham, Branham dit que si un certain Dieu fait tout ce qu'il fait, mais qu'il rate ça, même s'il est fort, il a le plus grand don, il ne pourra pas réussir. Jamais. Prédication du Frère Branham, humiliez-vous. Humilie-toi du 14 septembre 1963, le paragraphe 96. Vous savez ce qui a accompli ces choses. Donc, tout ce que Fabien a eu là, il y avait une source. Hein. Il dit, quand j'en étais à mes débuts et que le Seigneur m'était apparu sur la rivière et qu'il m'avait dit ça, et frère Levi a vu ça, je crois, dans un journal au Canada, Il dit, il y a bien des années, quand l'ange du Seigneur était apparu là-bas sur la rivière, ça avait été transmis par la presse associée. Je saute un peu, on connaît déjà l'histoire. Quand on va vers le bas du paragraphe, Frère Branham dit, j'étais encore tout jeune dans le ministère. Oh, un jeune. Il dit, un petit jeuneau. Quoi? Il disait, comment fais-tu pour garder ces gens-là d'un même accord? Ils s'aiment les uns les autres au point que, Frère Branham dit, je n'ai jamais vu des gens qui s'aiment comme ça. Donc les gens étaient frappés par la manifestation de l'amour que l'Église avait. Pourquoi le monde ne voit pas l'amour? Parce que le monde même se demande s'il y a l'amour. L'amour, c'est une lumière qui ne se cache pas. Quand l'amour est dans un coin, c'est visible. L'amour ne se cache jamais. Frère Branham dit, 97, c'est le Seigneur, ça. Maintenant, il dit, c'est ce sur quoi cette église a été établie. Donc, lui qui a envoyé son message là, ceux qui le suivent, il dit que non, non, Frère Branham, c'est celui qui m'aime et que toi tu l'aimes, tu iras au ciel. Attention, hein. C'est deux déclarations, hein. Il dit celui qui aime le prophète et que le prophète l'aime. Mais toi, tu connais Branham, puis tu aimes. L'a vécu, c'est fini, c'était en son temps. Toi, il te connaît où? Toi, il te connaît où? J'écoutais ça une fois, ça m'a fait sourire, mais bon, chacun pourra en débattre. Il dit ce qui suit. Il dit, c'est ce sur quoi cette église a été établie, de l'amour fraternel. Frère Branham, tu mets un mot. Il dit, saint. Saint. Un amour fraternel saint, pur. Frère Branham dit, les uns pour les autres. Il dit, maintenant, tu vois ce qu'il dit? Il dit, je les ai même vus se serrer la main les uns les autres au moment de quitter un lieu. Ils pleuraient comme des enfants. Ils étaient tellement... En fait, c'était des relations réelles. C'était réel. Ils partageaient des vies en commun. C'était réel. Quand ils parlaient le frère, ils savaient que le frère était dans son cœur. C'était des relations réelles. Réelles. Continue, Frère Branham dit. Il dit, je les avais vus se serrer les mains les uns les autres au moment de quitter un lieu. Ils pleuraient comme des enfants parce qu'il fallait qu'ils se séparent. Ils s'aimaient tellement les uns les autres. Je pouvais aller en visite chez eux et parfois la Bible était ouverte, tachée de larmes. Vous voyez, les signes qu'on lisait là-bas, Frère Branham a dit prière. Hein? C'est-à-dire que Frère Branham les surprend. Quand il les surprend, c'est pas dit que non, il y a gêne. Hein? Quand on dit mais il y a gêne, c'est, je m'excuse, ça se fait, c'est pas un péché. Mais il y a beaucoup à redire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui ne sont pas concentrés. Ils ne sont pas concentrés. Sinon, quelqu'un est concentré, quand tu gênes, tu n'as rien dit, lui, il gêne toujours. Peut-être même le jeune va manger correctement, puis tu vas bien le bénir. Il gêne toujours. Il est toujours consacré. Qu'est-ce que Dieu a fait tout ce problème? Lui, il est déjà dans un programme, hein, Yahweh. Ce n'est que peut-être l'église qui le rejoint. Sinon, lui, il est déjà parti. Il est dans l'esprit de l'âge. Il est dans l'esprit de l'union. La paix, la consécration, la prière, il est dans l'esprit de la parole. C'est quand Dieu a dit, il dit, David est l'homme selon mon cœur. Les gens cherchent le secret de David. Oui, il avait un grand secret. Il était très consacré.
très consacré. Et il avait le prix de cela aussi. On continue ce que je suis. Il dit ce que je suis. Il dit, je pouvais aller en visite chez eux. Et parfois, la Bible était ouverte, tachée. Donc, il pleurait. Donc, quand il priait, il m'a dit en réalité, un vrai croyant, pour le reconnaître, c'est le travail de l'âme. Pas de l'esprit, hein. Pas de l'âme. Quand il prie là, est-ce que l'âme prie? Ça s'agit. L'âme. Il faut que Dieu sente que non, ça, c'est l'âme qui me parle. Oui. Quand Dieu entend l'âme parler, quel que soit le besoin, Yahweh doit ouvrir une porte. Il doit ouvrir une porte. C'est un principe. Il doit ouvrir une porte. Oui. Pourquoi? Parce qu'il est l'amour. Lorsqu'il a vu le monde souffrir, il dit, son amour a produit un sauveur. C'était qui? Lui-même venant de la chair humaine. Il est l'amour. Donc, eux, ils pleuraient par le travail de l'âme. Quand ils prenaient un sujet, c'était l'âme qui priait. C'était pas seulement la bouche et l'esprit. Seigneur, non, tu vois, ça c'est une argumentation. Prie avec l'âme. Alors Dieu entendra et répondra. Il s'agit, prie avec l'âme. Ne prie pas superficiellement, non Seigneur, ça ce sont des phrases. Prie avec l'âme. Quand tu pries avec l'âme, l'âme lui-même rentre en paix. Il devient calme un moment donné. Il sent quelque chose qui est sorti de lui. Pourquoi? Mais parce que le sang a été accoulé pour cette âme-là. Le prix a été payé pour l'âme. Donc c'est un échange de puissance. C'est un échange de puissance. Ça me rappelle une soeur qui cherchait un enfant en son temps. Elle pleurait tous les temps. Je l'avais dit en son temps, non, tu n'as pas besoin de pleurer. Même pas sur moi, ni sur quelqu'un d'autre. Si tu veux pleurer, il te donne un secret. Va prier, va pleurer au pied de la croix. C'est là-bas, si tu pleures, quelque chose va se passer. Là-bas, tu verras quelque chose va se passer. Et si mes souvenirs, c'est bon, je pense qu'elle avait eu l'enfant. Ici, il dit, c'est qui suis? Il dit, j'arrive là ce soir et des pères et des mères étaient rassemblés avec leurs petits, il dit leurs petits autour d'eux, partaient en genoux là, des pères, des mères à genoux, à pleurer et à prier. Je restais debout à la porte, j'attendais. Ce n'est pas la prière de 15 minutes. Tu pries jusqu'à quand, puis tu es à l'heure. Ah, la main, ça n'avance pas. Elles n'ont pas attaché les aujourd'hui. Depuis, je prie, ça fait que 7 minutes. Les autres font une heure. Moi, il fait 7 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas bien prié. Tu dois prier longtemps. On doit prendre du temps de la prière. Prier. Et puis, la prière, c'est un exercice. C'est dur. Il faut prendre que ça, que je sais que le diable n'aime pas dans la vie d'un chrétien, c'est la prière. Il n'aime pas la prière. Mais parce que la prière t'envoie dans un endroit où Dieu peut agir à tout moment. Que connaissait Corneille, ne connaissait rien du message. Mais sa prière a fait déplacer un ange. Oui, la prière puissante. Fabien, ça vous fait monter dans la présence de Yahweh. C'est ça la prière. Donc quand Fabien partait, il voyait les gens qui priaient beaucoup. Papa, maman, tout le monde dans la prière. Ça envoie la puissance dans la maison. Voici le signe sous lequel on adore. Voici ce que la parole de Dieu nous a apporté. La sympathie, l'amour, la prière, l'initiative de consécration, sans qu'on nous force. C'est ça, je peux dire, moi, j'ai reçu un prophète et j'ai reçu une colonne de feu qui m'accompagne, c'est ça. C'est pourquoi, sur le chemin, il y a eu 2 sur 2 millions. C'est pourquoi il y a eu 1 sur 1 million. Pourquoi? Mais parce que ça, c'est difficile. Mais il faut tenir. Frère, on continue. Il dit, et il n'arrêtait pas de prier. Je m'asseyais sur le perron et je me mettais à prier, moi aussi. Donc, ils ont contraint Frère Benham à rentrer même dans la prière. Ça, c'est une contamination. Ils l'ont contraint. Il faut prier aussi à nous. Mais il était aussi consacré. Donc, ça l'a contaminé. Il a commencé aussi à prier. C'est ça, des gens qui ont reçu un prophète. C'est ça, recevoir la colonne de feu. C'est ça, marcher avec. C'est ça. Si tu mets ça dans ta maison, il faut savoir ce que ça signifie. Ça, c'est un symbole. Ça, c'est pas une décoration. Tu vois, les gens, ça dans le portable, même dans la maison. Oui, c'est bon, mais si toi, tu en as quoi, ça. Moi, je préfère même pas mettre ça dans ma maison et puis avoir ça dans mon cœur. Avoir la révélation de ça. Ça, c'est une puissance, ça. Ça, quand il est dans l'adoration, ça, il te fait rentrer en lui.
te fait entrer en lui. Frère Branham continue, dit ce qui suit. Il dit, nous avons l'habitude de nous lever et de chanter ces cantiques. Écoutez les cantiques, les paroles des cantiques. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Le saint amour, l'amour divin. Paul dit, l'amour est le lien de la perfection. Quand on parle d'unité, c'est qu'on parle de l'amour. C'est l'amour qui unit les gens. C'est l'amour qui unit les gens. S'il n'y a pas d'amour, il y aura peut-être union. Mais l'union va porter sa faiblesse dans le temps. L'union va s'accidenter. C'est-à-dire, ça va s'accidenter à un moment donné. Il y aura des difficultés dans le temps. Amen. Amen. On continue, frère Branham, ce qui suit. 98. Je dis ceci avec une grande joie dans mon cœur pour Christ. Beaucoup d'entre eux dorment aux alentours d'ici, dans des tombes marquées ce soir. Ils attendent cette grande résurrection où nous serons de nouveau réunis. Quand on disait, frère, madame, ce qui suit. Que cet esprit, non, ça, ça envoie un esprit, hein. Que cet esprit ne quitte jamais ce lieu. Si un jour cela arrive, alors peu m'importe. Dit, votre pasteur aura beau être très éloquent, il aura beau apporter très bien la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu aura été attristé. Donc, ce n'est pas la faute d'un pasteur. C'est l'engagement des croyants eux-mêmes vis-à-vis de la parole. Point final. Madame dit ce qui suit. Il dit, quand nous pourrons tous partager dans la communion fraternelle, avoir tout en commun et nous aimer les uns les autres, alors Dieu œuvrera avec nous. Donc le prophète avait comme fondement dans l'Église l'amour fraternel. Maintenant, je vais lire après un petit commentaire du prophète et puis on va revenir vers le haut. La même prédication, dans la prédication du temps de signe de l'union, 18-63, le paragraphe 112, frère Branham, c'est ce qui suit. Eux sont les églises de maintenant. Ils s'unissent, un groupe ici pour combattre l'autre. Un groupe par ici pour combattre l'autre. C'est ça le message. Les guerres, on lance ici, on envoie là-bas, on lance ici. Mais le 28 février, commémoration de la colonne de fin. Mais c'est du ridicule ça. Ça veut dire que même les gens sont en décalage avec l'onction de l'âge. En décalage, c'est ça que le message est. En décalage avec l'onction de l'âge. Frère Branham dit, je peux être en désaccord avec un frère. Mais Frère Branham dit, s'il est né de nouveau, alors il est mon frère. Il est mon frère. Parce que la révélation elle est progressive. Un peut être avancé, l'autre peut être moins avancé. Mais on va de l'avant. C'est Dieu qui est souverain de la révélation. Il sait pourquoi il a permis que lui, il arrive un peu tôt. C'est tout. Amen. On va progresser. On va progresser un peu. On va reprendre une question et puis on va chercher à aborder un dernier point. On va pas trop dire aujourd'hui. Dans la prédication questions et réponses du 38-64, le paragraphe 205, ils ont posé une question à Frère Branham. C'était la question 350. Comment un chrétien peut-il pénétrer plus profondément dans l'amour de Dieu? Frère Branham répond, il dit, lisez la parole et priez. Lisez la parole de Dieu et priez. Je vais me dépêcher et répondre. Non, voici la réponse. Donc, c'est ça. C'est ce que l'Église avait en réalité. Donc, ils étaient dans l'esprit de l'unité et ils agissaient en connaissance. Ils savaient que l'amour devait être au cœur des relations qu'ils avaient avec tout le monde, avec l'ennemi, avec le voisin, avec celui qui travaille. En tout, tout devait être coordonné par l'amour. Ça, c'est ce qu'on doit avoir dans notre cœur qu'on est sous le signe de la colonne de feu que notre signe céleste. Amen. Mais ce n'est pas à cause de ça que Dieu va s'unir à nous. Hein. Ça, c'est encore un autre critère. On va l'aborder brièvement et puis on va arrêter pour aujourd'hui. Amen. C'est un peu plus long, mais on va pas trop. Je vais juste introduire et puis on le verra en d'autres circonstances. À quelles conditions Dieu peut s'unir à nous? C'est une véritable question. C'est une véritable question. On va prendre un point pour répondre à ça. Frère Branham donne le principe de l'union. Mais avant de le lire, on va préciser ce que c'est que le Saint-Esprit. Pour qu'on sache que l'amour, on ne peut pas le contenir. Dans la prédication Israël à la mer Rouge, du 26
troisième mois, 1953, le paragraphe 112. Frère Abraham dit ce qui suit. Le Saint-Esprit est l'amour de Dieu. Amen. Il est ici. Donc, appelle l'amour fraternel. Parce que Saint-Esprit. Ici, c'est l'amour de Dieu. Et puis en haut, ici encore, c'est l'amour. Ça fait deux fois. Or, ce n'est pas deux. En réalité, ce n'est pas ce qu'on est en train de lire. Ici, c'est le sceau de l'amour divin. C'est ça, les apôtres ont réussi ici. Pas vraiment dit que l'amour avait été lié pendant 2000 ans. Il dit, lorsque le sceau était ouvert, le Saint-Esprit est revenu dans l'Église. C'est ici. Amen. Amen. On pourra amener les détails un peu plus mieux. Sous quel principe Dieu peut s'unir à nous? Parce que si on est dans l'art de l'union, c'est vrai qu'on peut avoir l'amour, c'est une bonne chose. Ce n'est pas un problème. Pour le voisin, c'est bon. Mais l'amour, là, quand on l'a étudié la fois dernière, même quand on peut l'étudier, vous remarquez que l'amour, là, c'est quand on a traversé tout ça, là, qu'on le voit. Amen. Amen. À quelles conditions Dieu peut s'unir à nous? Frère Branham, que nous sommes dans l'union invisible. J'ai quand même le livre brièvement. Là, je saute beaucoup de choses. Dans la prédication L'union invisible de l'épouse de Christ, du 25-11-1963, le paragraphe 31, Frère Branham dit ce qui suit. Paragraphe 31, pardonnez, 31. Le 25 novembre 65, j'aimerais intituler les quelques remarques que je me suis proposé de faire ici, ainsi que les passages de l'Écriture dont je voudrais me servir pour y faire suite. Si le Seigneur le veut, pour ce message, le message d'action de grâce, c'est ce qu'il voulait faire. Il dit, ce sera l'invisible. Deux. Frère Branham dit, l'union invisible de l'épouse de Christ. L'union invisible de l'épouse de Christ. Amen. Amen. C'est ça. Nous sommes dans le temps d'une union invisible où Dieu s'unit à des gens. Mais sous quel principe? Sous quel critère? Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses qu'on peut lire après, mais on ne va pas trop les lire. Ça serait un peu trop long. On va dégager juste un petit critère et puis on va chercher. Donc on pourra le développer plus tard. Dans la prédication, je crois... L'Église et sa condition. L'Église et sa condition. Du 5, 8e mois, 1956, le paragraphe 37, la première phrase. Frère Branham dit, vous ne pourriez pas aimer quelque chose qui ne soit pas de votre propre nature. On peut aimer notre ennemi, ça c'est pas un problème. Mais en matière d'union, il y a une règle. Parce que tu peux être uni à ton ennemi, c'est pas possible. Tu vas l'énerver d'abord avant de commencer. C'est quelqu'un va aller dans ta tête, il sera énervé. Tu dois l'aimer, c'est un commandement. Mais en matière d'union, c'est pas possible. Comme ça, la Bible dit, quelle relation y a-t-il entre l'infidèle et le fidèle, entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière? Il n'y a pas de relation. Donc, on ne peut pas être uni avec ce qui ne vient pas de Dieu. C'est impossible. C'est pas possible. Donc ici, il dit, maintenant, ce qui suit, il dit, l'amour doit s'unir à l'amour. Donc, pour qu'il y ait union invisible dans cet âge, il faut que toi, tu sois amour. Pour que Yahweh, qui est amour, vienne s'unir à toi. Pour que l'amour s'unisse à l'amour. C'est ça le critère. Voici le critère de l'union. Donc, c'est-à-dire que dans ton cœur, il doit avoir un puissant amour. On continue. La même prédication, le paragraphe 36, Frère Branham dit ce qui suit. La deuxième phrase. Dieu désire être aimé. Dieu lui-même, il désire être aimé. C'est pour ça le premier commandement qu'il donne à l'homme. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Lui-même, il dit d'abord moi au commencement, aimez-moi. Pourquoi? Parce que Yahweh veut qu'on l'aime réellement. Frère Branham dit, Dieu désire vous aimer. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frère Branham dit, béni soit le Seigneur. Alors Dieu, qui désirait témoigner son amour, dut créer quelque chose d'aimable. Donc, Dieu, il aime ce qui est aimable. Dieu n'aime pas tout le monde, hein? Sinon il n'avait pas haï Esaou. Il dit, j'ai haï Esaou. Et il s'en fout un peu, on écrit dans la Bible. Il dit, allez-y, lui. Tu veux le cas aussi. Moi, j'ai haï Esaou. Dieu peut aimer, il ne peut pas aimer le diable. Pourquoi aimer le diable? C'est le mal. Nous aussi, le frère m'a demandé une fois, mes frères, entre l'amour et puis la haine, il n'y a un pas. Il dit, non, frère, attention. Nous avons la haine, mais on a la haine du péché. On a la haine du monde, mais on n'a pas la haine de nos frères. On n'a pas la haine de notre ennemi, mais on a la haine de ce qui est mal. C'est une haine. Donc, c'est une haine sainte. Amen. On continue. Il dit ce qui suit. Alors Dieu, qui désirait témoigner son amour, dut créer quelque chose d'aimable. Et il dut créer quelque chose de doux, comme lui. Donc Dieu s'unit à lui-même. Si Dieu ne voit pas son amour dans le cœur de quelqu'un, il ne peut pas bien s'unir. On ne pourra pas terminer ça aujourd'hui. L'union, c'est tout un processus. Il y a un commencement et puis il y a une fin. Aujourd'hui, on va introduire. Il dit encore, il dut créer quelque chose qui pouvait être aimé. Il dut créer quelque chose qui soit selon sa propre nature. Donc, comme lui, il a amour, c'est ce qui est amour là qu'il a fait. Là, lui va aimer ce qui est amour là. Les deux, ils s'aiment. Point final. Paragraphe 38. Toujours la même prédication. L'église et sa condition. L'union invisible a un critère. L'amour aimera l'amour. Pour s'unir. L'amour va s'unir à l'amour. Pour s'unir, c'est l'amour qui s'unit à l'amour, pas autre chose. Père Branham dit, Dieu cherche, essayant de trouver une âme qu'il puisse aimer. Quelqu'un qui est aimable. C'est pour ça que Dieu n'aime que ses enfants. Mais vous remarquez, parmi ses enfants, c'est un petit groupe qu'il prend pour aller dans l'enlèvement. Donc, oh, tous ses enfants sont fils de l'amour. Mais il ne peut pas tous ses enfants prendre dans l'enlèvement. Il prend une partie. Pourquoi? Quelle est la différence entre ce petit groupe qui est en haut de l'échelle? C'est ce que Frère Branham dit ici. Frère Branham, c'est une minorité. Et puis ceux qui sont ici. Parce que tout ça, c'est l'amour. La différence, c'est l'intensité que ceux-là ont. Ici, ils ont un amour qui est identique à lui, son amour. Et ici, ils ont un amour. Mais ça ne respecte pas tous les critères de ce qui est en haut ici. L'union invisible. Amen. On va introduire, mais on ne va pas arriver loin. On pourra le voir plus tard. Nous sommes dans l'âge de l'union. Donc, il doit s'unir. Nous, si on est concernés. Mais il y a des critères. Il y a des critères. Quelques citations, on arrête là. Je vais prendre quelques minutes. Enfin, on va décrire un peu le profil de ce que Dieu peut prendre. Je crois que j'ai ça ici, si je ne me trompe pas. Prédication. Le conflit entre Dieu et Satan. Du 31, 5e mois, 1962. 31, 5e mois, 1962. Le paragraphe 227. Frère Branham dit, il parle du genre d'amour que le croyant doit incarner en rapport avec un type de l'Ancien Testament. Comme Esther. Quand Esther allait être choisie pour paraître devant le roi, Frère Branham dit, elle ne s'est pas parée de toutes sortes de choses. Frère Branham dit, mais elle s'est parée d'un esprit doux, paisible. Frère Branham dit, voilà de quoi se pare l'épouse de tous les fruits de l'esprit qui l'accompagnent. Pas d'une partie. On peut avoir une partie, ce n'est pas mauvais. Mais l'idéal et le principe de l'unité, c'est d'avoir tout. Tout. Frère Branham, quels sont les fruits de l'esprit? Il va le dire. Prédication. On est en train de conclure maintenant. Des noms blasphématoires du 4 novembre 1962, paragraphe 64. C'est très long. On prend la dernière phrase. Mais l'avant-dernière phrase. Il va te parler là-bas de la sœur Shepherd, du frère Shepherd. Bon, on prend le bas, c'est trop long. Frère Branham dit. Et elle ne l'avait jamais
suivez bien, ne l'avait jamais vraiment comprise. Jusqu'à ce qu'il y ait deux ou trois dimanches, quand j'ai enseigné sur les sept âges de l'Église et, écoutez bien, les sept fruits, les fruits que Esther avait là, Frère Branham commence à citer, hein? Les sept fruits, il va même le préciser, Frère Branham dit, il dit, et les sept fruits dans deux pierres, où il est dit, dans deux pierres, un, qu'il faut joindre à notre foi, voyez, premièrement, le fondement de la foi. Deuxièmement, ajoutez à votre foi la vertu, à votre vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance à la patience la piété l'amour fraternel, à l'affection fraternelle, ensuite l'amour. Dans l'esther de cet âge, pour l'union invisible, chacun doit travailler pour avoir le tout, pas une partie. Donc, il y a vraiment du travail à faire. Ça, hein? Le tout. Si j'ai la foi, j'ai la vertu, j'ai la connaissance, c'est bien. L'Esprit de Dieu en moi. Mais ce n'est pas le tout. C'est ça le problème. Ce n'est pas le tout. Mais parce que ceux qui étaient dans l'âge d'ici, là, de la patience, ils avaient ça aussi. Hein? On se perd. Hein? Donc, nous, on doit aller jusqu'à... Il y a... c'est à ça l'humain s'unit. Hein? L'amour s'unit à l'amour. C'est l'art de l'union. C'est l'art de l'union. On a beaucoup de jeunes à faire, beaucoup de prières. C'est pourquoi on a une consécration. On a une veille de prière le vendredi prochain qui va commencer autour de minuit, mais il faudrait s'y dire autour de 23h. 23h30, on commencera à minuit. Il n'y aura pas de réunion de 18h, non. Directement veillé. Amen. J'ai fini la citation. Donc là, je saute. Deuxième citation, on va chercher à conclure. On conclut dans 5 minutes, hein, je vais vous laisser. Prédication, Jéhovah Jireh. Donc, il y a vraiment du travail à faire. Hein? Il y a vraiment du travail à faire. Il y a vraiment du travail à faire. Ouais. Jéhovah Jireh, troisième partie, je crois, du 4-4-1964. Le paragraphe 233, Frère Branham dit, maintenant, autant Adam et Ève devaient être un même esprit, autant Christ et l'Église doivent être un même esprit, un même ministère. Vous ferez, vous aussi, les choses que je fais. Vous voyez ce que je veux dire? Ils devaient s'unir, la chair et le sang. Et Dieu devait s'unir et devenir un seul esprit. Jésus-Christ et son Église, c'est un seul esprit. Ce n'est pas deux. Tout ce qui est en lui doit se trouver en elle. Or, Frère Branham dit, quand on commence la marche, il dit, vous remarquerez que ça s'est rétréci. Il y a beaucoup de coups de poignard sur ce chemin-là. Et il y a interdiction de répondre. En réalité, ce n'est pas Dieu. Hein? Mais tu dois savoir qu'il y a pas, tu ne dois pas donner de réponse à tout. C'est l'une des clés de réussite. Quand tu reçois le coup, interdiction de répondre. Et tu dois faire une bonne mine. D'être même courtois et sympa. Amen. C'est ça, hein? Amen. Quand il montait, Amen. On lui donnait le coup, Amen. Il regardait, il souriait et puis il avançait. Amen. Amen. Cela peut, tout le monde peut le faire. Amen. Mais il faut que le cœur soit fort. C'est ça la réalité. Sinon, c'est pas du bien. Pour monter ici, c'est pas compliqué. Ce sont des marches. Mais tu dois savoir que là où tu t'en vas là, faut te préparer. Hein. C'est toi qui décides en tout cas. Et Dieu va donner tout ce qu'il faut pour arriver là. Mais tu dois savoir que tu vas recevoir, mais tu ne dois pas répondre. Frère Branham dit, quand on tirait sa barbe, ça fait mal. Hein. Il dit, quand on tirait sa barbe, il regardait, il ne répondait pas. C'est à ce caractère-là que lui vient s'unir. Pourquoi? Parce que la foi va s'unir à la foi. La vertu va s'unir à la vertu. La patience va s'unir à la patience. Les 16 esprits vont s'unir au 16 dans le cœur du croyant. Je termine par ça. Je vais monter juste une image. Ça, c'est le cœur d'un croyant.
Parce qu'il est vertu dans son cœur. Foi, vertu, patience, tout ça. Et puis voici Christ. On devait lire beaucoup de citations, mais on n'a pas les livres. Quand vous avez la foi de Christ, ça fait foi de sa foi. Vous avez sa vertu. Vertu de sa vertu. Patience, patience de sa patience. Tempérance, tempérance de sa tempérance. C'est ce qui est en Éden. Chair de sa chair. Esprit de son esprit. Vous avez les mêmes identités, les mêmes caractères. C'est le même amour en proportion. C'est ça lui vient s'unir. C'est à ça que lui vient s'unir. Donc, il ne s'agit pas d'avoir deux ou trois vertus. Non! Il faut avoir tout. C'est pour ça qu'ici, il faut qu'on creuse bien. On ne le fera pas aujourd'hui. C'est ce que normalement on devait faire, mais on ne le fera pas aujourd'hui. L'union invisible. Pour nous, c'est l'union invisible. Dernière citation du prophète, et puis on va arrêter là. Je vais vous dire ce qui suit maintenant. Dans sa prédication, comment puis-je vaincre? Du 25, 8e mai 1963. Le paragraphe 146, je vais vous dire. Maintenant, pendant que nous avons la tête inclinée, frère David, tu peux approcher. Nous sommes dans la tête inclinée. Ou on rentre maintenant dans la tête, avec la tête inclinée. Frère Benham dit, examinez-vous très attentivement. Très attentivement. Ne soyez pas profondément, il dit, soyez très profondément sincère. Frère Benham dit, tout ce qu'il faut, il dit, c'est tout ce qu'il faut. Un examen et de la sincérité de votre part. Frère Benham dit, examinez-vous très soigneusement. Et Frère Benham parle de lui-même. Il dit, Seigneur, sonde-moi, Seigneur, éprouve-moi. Y a-t-il quelque chose de mauvais en moi? Si, Seigneur. Il dit, si oui, Seigneur, que je dépose cela ici même en ce moment. Cet endroit où je me suis incliné, ce sera ton autel. Je dépose cela ici même en ce moment. Il dit, sous mes pieds. Il dit, quand je partirai, tout cela restera ici. Il dit, la puissance de ton sang le consumera. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que vous avez dans le cœur que vous devez vous déposer? Parce que dans le temps de l'union, il faut avoir l'amour. C'est le premier défi. Au-delà de l'amour, vous devez savoir que l'amour doit s'unir à l'amour. Et tout ce qui n'est pas de l'amour doit rester, doit être déposé ici. Chacun doit s'examiner et répand son âme devant le Seigneur. Alors que chacun prend la position qu'il est. Agace, oh, my.
Thank you.
La réunion de ce matin. Amen. Oui. Amen. Que cela ne soit pas notre cas, oh Seigneur. Non, Seigneur, surtout pas. Nous acceptons, Père, en tant que des enfants. Amen. Car, comme Christ avait dit, que ces choses ont été cachées. Oui. Pour les sages et les intelligents. Amen. Les révéler. Amen. Au bébé. Amen. Les enfants qui veulent apprendre. Amen. Et c'est là où on peut. Oui, Yahweh. Seigneur. Amen. Rester au père comme des enfants. Amen. Qui veulent apprendre. Amen. Pour grandir dans la foi. Amen. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Yahweh. Avoir en nous cet amour. Amen. Seigneur, à toi. Amen. Comment tu peux venir Seigneur à nous, Seigneur? Oh Père Céleste. Alors que parmi nous, il y a encore des querelles. Amen. Il y a des choses qui ne sont pas ta parole. Amen. Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec ta parole. Amen. Il y a de haine parmi nous. Oh Yahweh, ta grâce. Il y a de dispute parmi nous. Oh Seigneur. Les gens qui ne se parlent pas. Amen, Seigneur. Comme tu as dit à travers les prophètes. Oh Père. Les gens qui font des clans. Amen. Dans ces messages. Amen. Pour se jeter des pierres. Amen, entre Seigneur. Eux. Pour se parler à mal entre eux. Oh Père. Les gens qui font des groupes. Oh Seigneur. Pour se parler à mal, Seigneur. Amen. Et là,
Nous disons, nous prétendons avoir reçu les prophètes. Oh, c'est dommage. Nous disons, nous prétendons avoir reçu les messages. Tristesse, Père. Et nous disons, nous confessons que nous sommes des chrétiens. Oh, c'est dommage. Honte à nous, Seigneur. Oh, Seigneur, il y a des quoi. Nous sommes que des malheureux. Oh, Seigneur. En étant dans cet état, Yahweh. Oui, Yahweh. Tu as dit au Père, oh, Père. Les prophètes. Amen. Il a dit que quand l'Église se retrouve dans cet état, amen. Les Saint-Esprit sont tous. Oh, il a fui il y a longtemps. Amen. Le Saint-Esprit s'envole. Oh Seigneur. Et il reste que de la religion. Amen. Il reste que les chrétiens du nom. Oui. Et cela fait pitié, Seigneur. Amen. Que le diable qui descend. Oh, Père. Et qui fait croire aux gens qui sont des chrétiens. Amen. Seulement en étant des religieux. Oh Seigneur. Cela fait pitié, Seigneur. Pitié vraiment, Yahweh. Cela fait tellement de la peine, oh Père. Amen, Seigneur. Et le pire, Seigneur, oh Dieu. Oui, Père. Que les gens dans cette même état, oui. ils ne se rendent même pas compte. Amen. Cela fait peine, mon Père. Oh Seigneur. Nous pouvons être, nous pouvons réussir. Oui. À travers ta grâce. Oui, Seigneur, qui ta miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Oh, Père. De nous relever. Oui, Seigneur. De nous tirer, Seigneur. Oui, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. Donc, qui est attiré à toi. Amen. Toi, le bout qui vient s'unir dans cela, Seigneur. Amen. Aide-nous, oh, Père. Aide-nous, Yahweh. Nous pouvons compter que c'est toi. Merci, Seigneur. Ah, tu as dit, Seigneur, personne ne vient à toi. Amen. Pour ça que tu l'as dit premièrement. Amen. Et tout ce que le Père t'a donné, oui. ils sont à toi. Oh, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui fais les choses. Amen. C'est toi qui amène. Amen. C'est toi qui élus. Amen. C'est toi qui choisis. Amen. C'est toi, oh Père, j'aimerais bien que je justifie. Oui, Seigneur. C'est toi qui sanctifie. Oh, Seigneur. C'est toi qui bénéficie. Oui, Père. C'est toi, oh Père, j'aimerais qu'il nettoie. Oui, Seigneur. C'est toi qui viens toi-même ce tabernacle. Oh, Père. Dans l'eau du jeu, dans les vases que tu nettoies. Oui, Seigneur. Et c'est ton œuvre, Seigneur. C'est ton œuvre, Père. Et toi, dis-toi-même, oh Père, dans ta parole. Oui. Que tu ne laisses pas à moitié. Oui. Ce que tu as même toi-même commencé. Amen. L'œuvre que tu as commencé, oui. tu l'amènes jusqu'à l'achèvement. Jusqu'à l'achèvement. Jusqu'à la perfection. Et c'est ton travail, Seigneur. Merci, c'est Seigneur. Le travail du Saint-Esprit lui-même. Merci, Seigneur. Il est venu aujourd'hui. Merci, Seigneur. Pour chercher une épouse. Amen. Qui est semblable à lui. Amen. Qui est ni ride. Ni semblable, Seigneur. Ni semblable. Amen. Au monde. Oui. Et au Père, une épouse. Amen. Qui est pire. Oui, Seigneur. Oh Dieu, oh Yahweh, semblable à ta parole, semblable à toi, Seigneur. En fait de t'attacher à elle. Merci, Seigneur. Seigneur, merci. Nous voulons t'en répéter, remercier. Merci, Yahweh. Bénis, Seigneur, nous voici. Merci, Yahweh. Prends-nous tout simplement. Merci, Yahweh. Tel que nous sommes, oh Père. Merci, Yahweh. Pardonne-nous, nous t'en répéter. Amen. Là où nous avions failli. Merci, Seigneur. Fais-nous grâce. Ta grâce, Père. Fais-nous bonté, miséricorde. Oh Père. D'arriver là où tu veux que nous arrivions. Merci, Seigneur. Parce qu'on t'en répéter. Merci, nous ne sommes pas encore arrivés là. Oh, Père. Mais aide-nous, Seigneur, par ta grâce. Merci, Seigneur. Merci pour ton serviteur. Merci, Père. Que tu as utilisé au Père ce matin. Merci, Yahweh. Laisse que, Seigneur, tu donnes plus de grâce. Merci, Yahweh. Plus de révélation. Merci, ta grâce. Oh, tu as fait que prochainement, merci, tu puisses en être heureux, Dieu, nourrir. Merci, merci, Seigneur. Bénis cette église. Merci, Père. Bénis-nous, oh, notre Père. Merci, Yahweh. Alors que nous nous attendons à toi. Merci, Père. Bénis notre pasteur. Merci, Yahweh. Bénis notre retour à la maison. Merci, Seigneur. Donc pour ta seule gloire. Donc pour ta seule gloire. Nous te demandons dans le nom de Jésus. Oui, Père. Amen. 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 Notre réunion est terminée. On a une requête toutefois. Il y a une demande de consécration. Où, je demande la prière des saints pour la consécration de ma fille, Célia. Je crois qu'elle a un an, c'est ça, bien aimé. Trois ans. Elle va venir à prier pour elle. On va se tenir devant, chanter quand tu vas prier pour elle. Pour la répondre à la bénédiction. Tiens, est-ce que le 39, là, c'est prier ou le chanter, c'est facile? Tristesse,
pas dit ça. Elle a maintenant 3 ans. On va prier pour que Dieu puisse la garder et qu'elle puisse grandir sous l'onction et sous l'esprit de la colonne de feu. Amen. Amen. Prions pour elle. Pour cet enfant, Père Céleste. Nous te remercions pour ces liens qui a maintenant 3 ans, Seigneur. Oh, Père, si un désir dans mon cœur, Père Céleste, que Père soit comme Esther dans la vie, Père Céleste. Esther est remplie de beaucoup de vertus, Seigneur, avec beaucoup de qualités, Seigneur. Une discrétion sans pareil, Seigneur. Une tempérance, Seigneur. Oh, Père, les qualités sont nombreuses, Seigneur. Frère, madame, dit c'est elle qui s'aime, il l'épouse, Père. Puis cet esprit grandit avec cet enfant et protège cet enfant, Seigneur. C'est tout ce que nous voulons pour cet enfant, Père Céleste. Tu as dit que le royaume des cieux pour ceux qui les ressemblaient, Seigneur. Accorde ta grâce à ses parents, Père Céleste, et que la preuve soit de simple à diriger. Ainsi soit-il, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On va chanter, faire les offrandes. Ça sera tout pour ce matin. La tristesse est en thank you.